Coucou. Bon, écoutez, c'est le jour de faire la carte sketch. La semaine dernière, je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas en état de le faire. Et je ne l'ai pas faite du tout. Donc, je ne la ferai pas. Je vais faire que celle de cette semaine. Alors, je n'ai pas réussi à l'imprimer beaucoup plus petit. Je n'ai pas réussi à l'imprimer plus petit, mais j'ai compris comment il faut faire. Donc, par contre, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas une bande qui était de la même grandeur. Il y en a qui font 13, 13, si, 13, mais en largeur, il y en a qui font 2, mais moi je ne vais pas les faire à cette grandeur-là, parce que je ne vais pas faire une carte aussi grande que ça, hein. 2, ici ça doit faire à peine 2, là 2, et celles-ci, celles qui sont en verticale, elles sont, alors il y en a une qui fait 15, il y en a une qui fait 17, et il y en a une qui fait 16. Et c'est pareil, la largeur, ça, je pense que ce n'est pas les mêmes. Il y a 2,5. Là, c'est 2,3. Et là, c'est 2. Donc, je vais déjà faire un fond, hein. On va commencer par le commencement. Donc, j'ai pris les papiers de ça, parce que je devais faire un album noir et blanc, mais j'arrive pas à m'y mettre. J'arrive pas. Donc, j'ai pris ce bloc-là. J'ai compté qu'il me fallait du papier noir, et ici c'est le même. Et après, il m'en faut 3 et 2, 5 autrement. Donc j'ai sorti 1, 2, 3, 4, 5. Ah, celle-là, elle est épaisse, moi c'est pas grave. 5, j'en ai sorti 5, donc ça va être les couleurs qu'il va y avoir dessus. Pour faire mes bandes, j'ai sorti un fond noir. Et voilà, oui. Ah non, j'en ai plus qu'il faut là. Bon, j'ai dit 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, celle-là, j'en ai pas besoin. J'ai sorti un fond noir. Je vais mettre celle-ci dessus, mais je vais faire quand même un petit matage. Ah oui, mais il faut que je garde pour faire la bande là. Ah bah oui, mais de toute façon, je ne vais pas faire de cette grandeur-là, donc il va m'en rester. Je vais mettre du blanc et après je ferme mes bandes. Hein? Je ne sais même pas où est mon modèle, ça y est, il est en dessous. Donc, quelle grandeur je vais faire? Je vais faire, je ne sais pas moi, comment je fais d'habitude? Je coupe en deux, je crois. Hein? Ma page en deux, ma page à quatre en deux. Donc ben voilà, je vais faire ça, je vais me la mettre à la grandeur de ça. Voilà, hop, on va pas se prendre la tête. Bon, on va faire à 15 directement, comme ça sera plus simple pour calculer. 15, est-ce que je fais sur cette grandeur là? Ouais, je pense. Donc ensuite, c'est 15 sur. 15 sur 21. Donc je vais faire 14 sur 20. Déjà celle-ci. Ou 14,5 sur. Ouais. 14,5 sur 19,5. Allez. 14,5. Sur 19 et demi. Que je vais venir mettre ici. Ensuite, la blanche, je vais la mettre. Pourquoi ça me fait ça? 15. Ça me fait pas le même matage des deux côtés. Bon, alors j'ai pas dû faire sur. Oh, je vais la couper sur 20. 15 sur 20.
Pourquoi je... Oui, je disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est 15 sur 20. 14,5 sur 19,5 pour le premier matage. Et 14 sur 19 pour la feuille blanche. 14. Sur 19. Je pense que c'est ça. On va déjà coller ça parce que j'ai un doute. 14 sur 19. Ou même pour qu'on le voie un petit peu, j'aurais pu faire 13,5. Quoi qu'on le voit quand même. Non, je vais faire 13,5 sur 18,5. Sur 18,5. Et 13,5. On verra plus le dessin autour. Je ramasse tous mes petits bouts parce que chaque fois j'en ai plein. Je vais déjà coller ça. Et après, on va voir pour les bandes, là, comment je vais me débrouiller. Donc, là, je viens de faire du coloriage. Pas mal. Bon, c'est pas le thème de la vidéo. Donc, on se concentre sur la carte sketch. Hop. Oh, j'ai pris du papier fin, j'ai pas pris du. Il n'y a que le fond noir qui est le plus épais du bloc de chez Action, mais sinon, les autres feuilles, j'ai pris des feuilles quand même les plus fines. Enfin, les fines, oui. Hop. On va l'ajuster, hein. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Et on va mettre celle-là. Oui, on verra plus le tour comme ça. Voilà. Donc, on va faire ça. Et après, on va s'occuper des bandes. Alors, ce que je vais faire, je vais couper que des bandes de 2,5. Enfin, je vais voir. 2,5, non. Pas 2,5 parce que c'est sur la grande feuille. J'ai coupé des bandes de 2 et puis après je vais les adapter. Je pense que je vais faire comme ça. Je vais les adapter à la grandeur qu'il faut. Hop. Voilà. Ça, c'est le fond. C'est le fond. Alors, ensuite. Si ça, ça fait 18,5. 18,5. Là, ça vient comment? Alors, la première, c'est la noire. C'est celle qui est comme le tour. Elle arrive. Alors, la carte là, elle ferait 22. Il resterait là combien? 7. Donc 3 fois 7, 21. Donc là, j'ai combien? J'ai 18. Et ben, je vais les couper. Hein. Je vais la couper à 6, celle-là. À 6 de longueur. À 6. Non. Je vais faire déjà 2 cm pour la large, pour le truc là, et je vais la couper à 6.
Je vais la couper à 12. Non, j'ai fait des bêtises là. C'est pas 12. C'est pas, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Là, si je coupe à 2, si mon 18, je divise en 3, ça fait 6 et 6. Ça fait 6, ça fait 12. Donc 2 sur 12. On va y arriver, on va y arriver. Faut calculer, hein. Comme ça, elle a l'air facile, et puis en fin de compte, je suis pas sûre qu'elle soit si facile que ça. Donc, on met la première en ici. Alors, on va la mettre ici, comme ça. Ensuite, il y en a une. Alors, la deuxième, elle fait combien celle-là? Oh là, il faut calculer, non? Celle-là, elle fait 12 et demi. Il y a 19, donc il y a encore 7 de différence. Il reste. Celle-là, je l'ai coupée à 12. Enfin, je vais voir combien fait celle-là. Celle-là, elle fait 14,5 sur le modèle. Et celle-là, elle fait. Moi, je vais faire de l'à peu près, hein, parce que elle fait 13. Donc, l'autre, je vais la couper à 2 cm. Sur 11. Alors, 2. Je suis pas sûre, hein, on va voir. 2 cm. J'ai adapté parce que ça, j'en ai plus besoin. Sur 11. Parce qu'elles sont pas toutes de la même grandeur, hein. Donc celle-là, elle vient dessus comme ça. Ouais, ça sera à peu près ça, hein. Quoi qu'il reste un peu plus. Peut-être que je verrai après. Ensuite, la 3. Alors celle-là, elle est un peu plus large. Je vais la couper à 2,5. Sur, déjà la couper à 2,5. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. 2,5. Ou 2,3, je vais faire. Oui. Et je vais la couper. Elle est un peu plus grande. Je vais la couper à 12,5. Elle est plus grande que la première. Donc, hop. Donc, ça, c'est la troisième. Attendez, hein, que je regarde parce que, oulala, la troisième, elle vient ici. La quatrième, j'ai dit que je la coupais à, c'est pareil, hein, sont de la même grandeur, à 11. À 11. Non, j'ai déjà coupé une bande de. Elle est plus petite celle-là, donc je vais la couper à 1,8. 1,8. Sur 11. Alors celle-là, elle vient se placer sur celle-là et sur celle-là. Ouais, mais il va peut-être falloir que je les réadapte après, hein, parce que peut-être que j'ai coupé trop grand. On verra. Ouais, parce qu'il y a plus de. Je vais voir, je vais déjà les installer comme ça et puis après je vais voir. Hein. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, c'était 1, 2, 3, 4. La 5.
Elle fait 17 cm. Elle fait 17. Moi, je l'ai coupée. Donc, j'avais fait. Je sais plus. J'avais coupé à 2,5. Moi, je l'ai coupée aussi à 2,5. Ça m'a environ 2,5, 2,5, 2,5, 7. Allez, hop, on va varier les plaisirs. Hein. 2,5, 7. Et celle-là, je l'ai coupée 11, 12, 13. Non, 12. Oui, 11, 12, 13, c'est ça. Celle-là, elle vient se placer. C'est laquelle, celle-là? Ça y est, je ne me rappelle plus. Maintenant, celle-là, je l'ai faite. Non, il faut que je retire 1 cm. Non, je ne sais plus. Oui. Il faut que je retire 1 cm, ça. C'est compliqué, là. J'arrive pas à... Celle-là, elle vient par-dessus ça. Non? Ça, c'est la 3. C'est la 5 qui vient ici. Ah, mais oui, mais... C'est bien ce que j'avais fait, donc. Non, non, c'est pas bon, ça. C'était bien 17 qu'il fallait que je fasse. J'ai dit, hein. 2. Pas 17, non, pas 17, mais sur mon modèle, je me fie à. Et j'ai fait 11, 12, 13. Je ne sais pas si vraiment c'est ça. Hein. Celle-là, elle vient ici. Il va falloir que je les arrange. Ou alors, il aurait fallu que je le fasse un peu plus grande. J'ai l'impression qu'il fallait que je les fasse un peu plus grande. Ouais, je crois. Mais si ça ne va pas, on va recommencer. Hein. Et celle-là. La 6, elle fait 13. Ah oui, mais quel papier que j'ai pas mis? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un papier que j'ai pas mis, c'est celui-là. Et 2. Et je suis pas sûre, hein. Je suis pas sûre de mon coup là. Celle-là, elle vient dessus. Mais ici, il me reste des trous. Il aurait fallu que je la coupe plus grande. Oh. Alors, on va recommencer. On va couper des bandes de 2. Celle-là. Je vais les faire au fur et à mesure parce que celle-là, on n'en parle plus. Une bande de 2. Je vais les couper au fur et à mesure parce que là, je crois que j'ai fait des bêtises. 2. Voilà, j'en ai plus besoin. Je vais les couper à la demande. Hein. Celle-là, je vais couper à 1,5. 1,5,8, je crois. 1,5,8. 1,8. Ça, j'en ai plus besoin. Je réfléchis avec vous. Hein. Celle-là, je vais couper à 2. Puis je vais les adapter. Je crois que je vais les adapter à la grandeur qu'il faut parce que sinon, je vais faire des bêtises. Je sais. 2. Ça m'en fait 4. Pour toujours celle-là. Je les coupe toutes à 2. Et puis après, on verra. 2, 2,2, 2, 1,8. Je fais plus trop attention. Et puis, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Celle-là. 1, 2. 3, 4, 5, et il me faut celle-là
On va y arriver. Hein. Bon, après ça, je vais remettre ça dans mon bloc. Hop. Ça aussi. En espérant que ça va aller. Je vais mettre le modèle à côté de moi. Et on va y aller. Hop, on défait tout. On va commencer par celle-là. Donc, c'est la 1. On va la faire descendre au moins jusque là. Hein, au moins. Mais il faut que je laisse de la place pour les autres. Si j'ai ça. Si je mets ça. Ici. Et une autre comme ça. Ouf, 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 ouf. Comme ça, j'aurai assez de place. Ouais, mais non, il faut que je repousse encore un peu. Ok. On va y arriver, hein. Je vais le mettre ici. Allez, on y va. Mais il faut que je coupe au moins 3 là. Ouais. Allez. Je vais en couper 2 déjà. Je vais voir ce que ça donne. Ben oui, parce que là, comme ça. Oui. Allez, je colle celle-là et puis après on va voir. Je vais les faire à la demande parce que. Bon, je vais peut-être pas faire toutes les mêmes mesures exactement comme la carte. Hein. Je vais faire à mon idée parce que. Ça ira quand même. Ne vous inquiétez pas. On va commencer par la une. Voilà, comme ça. Hop, elle est placée. Ensuite, la 2, elle vient. Alors, on va mettre la 2, on va mettre une comme ça. Elle vient ici. On va la faire aller là. Là. Parce que la 4, elle dépasse un peu plus. Et on va la faire aller jusque là. Ici. Allez, hop. Faire comme ça parce que sinon je ne vais pas y arriver. Hein. Bah, toutes les petites bandes, là je vais faire une carte avec ça, moi. Avec les chutes. Voilà. On va mettre ici et ici. Voilà. On l'a d'une. De placer ensuite la 3, elle vient ici. La 3, on va mettre ça. Elle laisse dépasser un petit peu. Est-ce que j'ai la place pour la 5? Oui, on va mettre la 3. La 5, elle est un peu plus collée. Elle vient là. Et ça vient là, ici. Mais elle descend un peu. Comme ça et comme ça. Ok. Et elle descend jusqu'où celle-là? Un peu plus bas que la noire. Donc, on va la couper ici. Hop. Ça, c'est la 3. Il faut aller dans l'ordre parce que sinon les croisements ils sont pas bons. Alors, est-ce que celle-là va passer? Oui. Donc, non, celle-là il faut que je la descende un peu. Ouais. On va descendre un petit peu et elle vient là. Ça, c'est la 3. La 4, elle passe par-dessus la 3, un peu plus courte et un peu plus longue que la 2. Ouais, c'est ça.
1, 2, 3, 4, la 4. Alors, j'ai dit qu'elle était descendait un peu en dessous la 3, sous la 2 plutôt, et un peu plus longue que ici. Bon, il me reste moins de place que sur le dessin, mais bon, on va faire avec, hein. Elle vient ici. La 5. La 5. Elle vient là et elle descend. Alors, elle descend plus bas que la 3 et la 1. Et elle descend ici. Elle descend plus bas que la 3 et la 1. Et elle descend le plus. Eh bien. Alors, plus bas que la 3, plus bas que la 1. Voilà. Et après la 6, elle passe par-dessus tout. Et elle est plus longue que celle-là. Et plus courte que la 4. Ouais, c'est ça? Ouais. Eh bien, ben j'y serais arrivé quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vraiment bien compris ce que je vous ai dit, mais enfin, c'est pas grave. Alors, j'ai dit plus loin que la 4, mais plus court que là. Toi qui parles là. Bah écoutez, je sais pas si vraiment ça fait pareil, quoique, vous voyez. Alors il y a un sentiment à mettre ici. Qu'est-ce que je vais mettre comme sentiment, moi? Attendez, parce que j'ai bougé mes trucs de place. Alors oui, qu'est-ce qu'on va mettre comme sentiment? C'est pas mal, mais il faut les croiser comme il faut. Hein. Ouais, c'est ça. Je vous remontre quand même. Ça, c'est le modèle. Là, c'est ce que j'ai fait. Je vais mettre le sentiment. Hein. Alors, on va chercher un sentiment. Un message de paix de magie pour Noël. Ah bah non, on n'est pas à Noël encore. Un jour, une bougie de plus, non? Love. Surprise juste pour toi. Bon, là. C'est pas là. C'est trop grand. Joyeux anniversaire, non? Avec renouer avec la simplicité. Ben voilà. Je sais pas si ma carte elle est vraiment simple, mais c'est renouer avec la simplicité. C'est très bien ça. Voilà. On va le mettre là. Et voilà. J'aurais fait ma petite carte sketch. Pour mercredi 5. On est mardi là, mardi 4. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Il y a ces petites chutes là, je ne sais pas si je ne vais pas faire une carte avec ça. Vous savez, mettre des bandes un peu partout, puis ça fera une carte. Hein. Voilà. Ouais, bah c'est pas si mal que ça.
Je savais pas trop comment la faire, hein, mais je me suis dit après, ben, mon bloc là, que j'avais acheté noir et blanc, ben, je m'en sers pas parce que je voulais faire l'album noir et blanc, mais ça fatigue trop les yeux, donc je ne fais pas. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Et puis, ben, si le cœur vous en dit, allez-y, hein, je vous remets le modèle si des fois vous voulez le faire. Alors ici, ça a été coupé à mon imprimante, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Alors le noir là ici c'est le 1. Puis après 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon, il y a des grandeurs plus larges, hein, tout. Bon, mais j'en ai fait des plus larges et moins larges. Et puis ça le fait quand même. Voilà. Allez, bisous à vous tous. Et puis à la prochaine. Bisous.